YouTube, c'est Sean Kazma et c'est compliqué. Parce qu'apparemment, mon immunité est en train de fondre. Je rappelle qu'on est contaminé bien salement, contrairement à d'autres, d'autres contaminés dans le genre. Et du coup, j'ai une barre juste au-dessus avec, vous voyez, l'espèce de petit crâne là avec le compteur autour. En fait, en gros, je vais canner. Je vais canner parce qu'il faut que je trouve de la lumière. Si je ne trouve pas de la lumière au bout de mes 5 minutes de temps de survie là, je meurs et bah, je suppose que c'est un game over caché. Bon, dans l'épisode précédent, on a découvert le bazar. Il s'est passé tout un tas de choses bien et pas bien. Non, surtout bien en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à faire. C'est compliqué, je sais pas trop où donner de la tête pour le coup. D'accord. Bonsoir. Ça va vous? Ça a l'air d'aller. Hein. On commence à récupérer les capacités de base, hein, les capacités qui nous manquaient. Celles où on était à la recherche. Voilà, ça dégage. Voilà. Ah, attends. Merde, il n'y a pas d'autres gars qui mettent un coup de pied, dommage. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je maîtrise pas totalement les touches. Hein. Il y a les mêmes capacités que dans 1, mais ça se gère pas de la même manière. Rencontre réussi, infecté vaincu. Ok. Ok, du coup, je peux récupérer ce qu'ils étaient en train de défoncer, en fait. D'accord. Ok. Par contre, on va se grouiller. Hein. Je vois que mon compteur descend fort fort. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. On avait à nouveau Hakon à aller voir. Donc pour le moment, c'est Sénar avant tout. Et puis plus tard, quand on aura un peu progressé là-dedans, on ira se perdre un petit peu dans les quêtes secondaires. Lunettes de protection. Nice. Oula, oula, oula. Ok. Il y a de la vraie physique. Ça fait peur. Bonsoir. Tu es quoi, toi? Tu es quoi, toi? Pourquoi t'es pas pareil? Esquiveur attrapé. Mais je l'ai fait voler un peu loin. Merde. Attendez. Ça sert à quoi d'attraper un esquiveur? Ok. Fouiller. Ok. À pas carner. Je sais pas. J'ai aucune idée. Bien. Oh, c'est la D1. Oh, c'est la D1. C'est la grosse, grosse D. J'ai pas une planque d'entre deux. Il me faut une planque d'entre deux. Rendez-vous à cet emplacement pour découvrir ce qui s'y trouve. Alors, ce qui est cool, c'est qu'apparemment, pour les points d'intérêt, là, on voit les endroits où il y aurait des planques potentielles. Donc, peut-être se faire ça sur la route. Et puis ensuite, voir pour le reste plus tard. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oh, bordel. C'est compliqué, c'est compliqué. Je disais dans l'épisode précédent que pour le moment je préfère le 1 quand même. Mais parce que le 1 est quand même structuré différemment déjà hein. Donc forcément tu peux pas comparer l'incomparable. Puis même genre en termes de durée de vie, ça a rien à voir. Donc forcément que ça joue. Attendez, il y a des hurleurs en bas. Je cherche un moyen d'aller en face en fait. Immunité faible, j'aime pas. J'aime pas, je vais canner. Je vais canner si fort. Allez, dépêche. Non. Bordel de merde. Wow. Qu'est-ce que... Attends, je suis où là? Merde, je suis tombé en bas. Carrément. Ah oh, mais d'accord. Mais je voulais pas être en bas moi. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. J'active le hurleur. Ah. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Poursuite de niveau 1, ça va, ça va. Panique pas, Kazma. Panique pas. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. C'est bon, tu as l'habitude, il y en avait déjà plein dans le premier jeu. Bordel. Toujours un peu de mal avec les sauts de mutants. Hein. Je suis un X-Man. Ok. Ok. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Parfait. Allez, il me faut une planque là. Il me faut une planque. Ce... Il me faut une planque, bordel de merde. Je vais tellement canner. Je vais tellement canner. Canner si fort. Mais je suis à côté du bazar en plus. Attends, mais la vérité, je vais aller au bazar, hein, c'est plus proche. Bien sûr, je vais aller au bazar. Ok, on va au bazar. On va au bazar parce que là, je vais mourir. Là, je vais mourir, c'est terrible. Allez, direction le bazar. Alors, juste, est-ce qu'il me faut la lumière UV ou est-ce qu'il faut que je fasse dodo? Rebonjour. C'est pour pas canner. Ok, ça va. Ça va, on pète pas trop un plomb. Bon, c'est bon. Ok, donc c'est rassurant, hein, parce que j'ai l'impression qu'on va passer pas mal de temps en pleine nuit, dans le 2.
Mais il n'y a plus forcément les rapaces qui sont présents en extérieur. Mais du coup, c'est moins angoissant. Enfin, c'est angoissant, mais pas pareil, tu vois. Ok, c'était pas du tout un raccourci, hein, je pensais. Alors, vite regagner les étages, par contre. Vite regagner les étages. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Let's go! Ok, parfait. Quoi? Mais non, mais c'est pas vrai! Allez, on se dépêche! Bordel, il y avait plus personne! Oh, c'est terrible! Oh, c'est terrible! Nya! C'est bon. J'ai réussi quand même. J'ai réussi. Nique-toi! Ok. Lampe UV! Oula, oula! Allez, grimpe! On y est, bonjour! Ah, c'est un con! Ah merde! Mais c'est pas ça que je voulais! Voilà, barrez-vous! Merde, j'ai perdu. Bah. Comment j'ai perdu de vue mon objectif? Ah, mais je l'ai passé depuis une éternité! C'est pour ça! C'est pas évident de suivre le pointeur marqué là. Enfin, genre, y'a pas de couleur, y'a rien. Ok. Bon, bah, encore mieux, on est au scénar. Moi, con, comment tu vas? Ça va, on est où là? C'est chez toi? Je ne connais pas cette planque. Bref, alors, est-ce qu'on peut progresser? Hey, t'es un meilleur grimpeur qu'une folle que je connaissais. Bon sang, c'était quelque chose. Elle voulait même grimper le plus haut bâtiment de la ville, la tour VNC. C'était une de tes épouses? Presque, mais trop colérique, même à mon goût. Et ce passage vers le centre? Bien, écoute, de ce toit tu vois clairement la base des pacificateurs. D'accord, et du coup? Donc tu m'as amené ici pour jeter un œil aux pacificateurs? Les pacificateurs sont ton ticket pour le centre. Et je te l'ai dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser les tunnels du métro. Je vais entrer et attirer leur attention loin de la plateforme. Ensuite, tu entreras dans la station technique du métro. Il y a un sas là-bas. On le prendra ensemble jusqu'à la boucle centrale. On peut pas simplement leur demander de me laisser passer? Non, il y a aucune chance. Pour l'instant, chaque nouveau visage est un suspect potentiel du meurtre de leur commandant. Ils me connaissent. Je fais du commerce avec eux parfois. Je livre des lampes ou des marchandises des zones sombres. On peut toujours tomber sur quelques infectés là-bas, mais rien qu'un pèlerin ne puisse pas gérer. Quand tu arriveras à la station principale, dis-le-moi. Maintenant, il faut aller dormir. Tu sortiras plus tard dans la nuit, quand il y aura moins d'infectés dans les tunnels. C'est marrant parce que c'est devenu la routine de sortir la nuit dans le jeu. Hein. Dans le 1, c'était pas trop ça l'idée quand même. Hein. Ouais. Ok. Ah. Est-ce que c'est pas le mec qu'on a chassé tout à l'heure? Je vois une créature que j'avais jamais vue auparavant. Elle ressemble à quoi? Pas grosse, mais super rapide. Sûrement un esquiveur. On trouve des trucs intéressants sur... Ouais, c'est celui que j'ai attrapé tout à l'heure. Faut de bonnes compétences de chasse. Là, c'est pas vraiment le moment pour ça. Va au tunnel. Ok, bah quand tu pré-shotes les phases de jeu. Alors, voyons voir. Hop. Mais attends. Mais c'est Anana de la quête. Oh, horrible. Donc elle vient littéralement de canner, puis de canner devant moi en plus. Bah attends, je quince, merci. Bon alors attends. Donc, ça déjà. On peut supplier. Attends. Territoire des survivants, gna gna gna. Où est mon objectif? Où est mon objectif? Juste en bas. Super. Plaisir d'offrir. Plaisir de... Oh oh. Allez à la station en empruntant les tunnels du métro. Alors comment ça fonctionne les pièces là? Comment ça fonctionne? Comment je l'actionne le bail? Non. Non plus. Attendez, on m'a pas expliqué pour les pièces hein. Ah. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Alors attendez. Parce que du coup, ouais, je rappelle, hein, on a découvert que les Florins c'était pas la monnaie du jeu. Hein. Non, mais les gars, oh. Ils sont tous au-dessus du tunnel où je dois aller. Mario. Il me voit. Il me voit. Ok. Je peux arriver et faire un Tatsumaki, hein. Ok. Ok, bon, j'ai pas réussi à faire un Tatsumaki. C'est pas grave. Allez, ça dégage.
C'est compliqué, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Attends, nia. Comment je vais là-dedans? C'est un crochetage? Tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous de ma gueule, non, tu te fous de ma gueule, c'est un putain de crochetage? Oh là là, sérieux? Mais ouais. Alors ça va être un vrai problème les gars. Parce que même si je suis à côté de la base, bon heureusement je suis à côté de la base hein. Cancéreux, 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 vite, 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 vite. Allez hop. Ok, 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 ok. Donc faut que j'arrive à me donner le temps de crocheter. Non mais affreux les gars. Poursuite terminée, voilà, dégage. Dégage, je te dis. Dégage. Mais comment? Mais comment je me laisse le temps d'eux? Mais il y a mille fois trop de monde. Attends, peut-être une idée, hein. Peut-être une idée, peut-être une connerie aussi. Hein. Ça. Alors, lancer une bombe de gaz, maintenez X pour la faire péter. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial, par contre, le fait de l'activer. Bouya, maintenant. Allez, on se dé... Putain, oh! Casse-toi! Ça va, ils sont moins nombreux que tout à l'heure. Puis en plus, il n'y a pas les hurleurs. Tu viens me voir, c'est ça? Ré! Ré! Purée. Cassez-vous! Attends. Donc, activez, jetez. Cachez-vous! Voilà. Allez, on se bouge. Allez, allez, allez. Gelanta! 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 Allez, le point de rupture. Le point de rupture! Bordel! C'est bon! Oh! Ok, on l'a. Waouh! On se bouge, on se bouge, on se bouge. On n'a pas le time. On n'a pas le time. C'est bon! Phew! Oh, c'était compliqué! C'était compliqué. Oh, attends. Parce que là, on va vers un lieu sombre. Moi, je suis pas fan, hein. Parce que, du coup, on va jouer à base de lampe torche. Ah, forcément. On avait déjà la lampe torche, c'était déjà trop sombre. Ouais, ok. Je veux savoir un truc. Parce qu'on en parlait, mais pour le moment, je l'ai toujours pas vu à l'œuvre. Ah, donc les armes brisées sont brisées, en fait. Nique ta mère. Super. Modifié. Ah, je peux en refaire un. Bah, vas-y, go. Voilà. Ah, et ça te répare ton arme. Incroyable. Incroyable. Allez, galanta. Allez, à la station en empruntant les tunnels du métro. Ok. Mais là, on va commencer à jouer avec les rapaces. Hein. Les rapaces qui sont depuis le 1 des Némésis. Mais je trouvais que dans le 1, ils mettaient un peu plus la pression déjà. Hein. Après, on n'est peut-être pas non plus dans les bons quartiers. Hein. La map étant quand même assez balèze. Il y a moyen pour qu'on me dise à un moment, non mais en fait dans notre zone à nous, il n'y en a pas tant que ça, donc on le vit bien. Par contre, bientôt tu vas être dans un quartier où ce sera plus la D. Moi je sens bien ce genre de truc. Ok. Bah attends, mais j'ai que 3 minutes là. J'ai que 3 minutes. On se dépêche, on se dépêche. J'avais oublié que je pouvais canner à tout instant. On est là, on est content. Compliqué cette histoire, hein. J'ai jamais le temps de faire ce que je veux, c'est chiant. Alors, moulin à vent Mélèze, découvert. Comment j'ai découvert un moulin sous terre? Comment? Comment? Ça c'est quoi l'argument là? Alors, est-ce que éliminer ça fait du bruit? Je crois pas, hein. Éliminer ça fait zéro bruit. Ok, c'est quoi ça? Champignon UV. Ok, tip top. Tip top, tip top. J'ai 2 minutes. Tant que je suis pas genre à 30 secondes, je panique pas encore. Ok. Ok. Toi là. Toi là, tu gardes le passage, j'aime pas ça. Let's go. Il est où lui? Oh putain, il revient. Oh putain, il revient. 1 minute 44, 1 minute 42. Allez, on y va. Ouh, ça y est. Je suis dans le tunnel. La station de métro. Ok, maintenant fais attention aux infectés, il pourrait y en avoir quelques-uns. Ok.
Oui, alors par contre, ce qui serait cool, ce serait de pas me relever au moment où on croit qu'il n'y a plus personne, hein, n'est-ce pas? Tu verras comment atteindre la station principale. Ok. Mon pote, j'ai 1 minute 20 là devant moi. Je fais comment? À un moment, va falloir courir vite en fait. Parce que les champignons UV là, je sais pas trop. Consommable. Attends. Consommable. Consommable comment? Ration de combat, morphine, cigarette, c'est pas ça. Ils sont où mes champignons là? Ils sont où mes champignons? Champignons! Immunité restaurée. Ok. Attendez. Ok. C'est à la place des trousses de secours. Oh! Oh oui! Ok. Donc il y a moyen de gratter un peu du time. Bien. Faites pas attention à moi, je... Quel enculé. Attendez, c'est compliqué. Je sais pas s'il capte les étincelles de l'arme. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est la D. Crochetage facile. Let's go. J'ai augmenté un petit peu le gamma au fait, hein, depuis la première session. Je sais pas si ça se sent. Okidoki. Ok, il y a du monde, hein, toujours. Hein. Conteneur d'inhibiteur détecté. Ta gueule. Ok, toi tu dégages. Il y en a un là. Attendez, il me faut lui là. Ah, c'est un conteneur d'inhibiteur, ok. Attends. Deux secondes. Petit coup de pression du joueur français. Ok, ça là. C'est ça que je cherche? Je suis pas sûr. Je vais bientôt caler, moi, dis donc, là. Ok, tout va bien. Ok, immunité faible. On est là. Ne panique pas. Ça se passe. Le bordel de merde. C'est la D1. C'est la grosse D violente. Ok, dernière ligne droite. Allez, on se reprend un petit pour la route. Territoire des pacificateurs, ça y est. Je crois qu'on y est. Niveau 1 à 2. Bon. L'air de rien, pas si facile le jeu quand même, hein. Au moins là-dessus, les deux jeux se retrouvent plutôt, hein. Tousse pas, mon gars, tousse pas, ça va le faire. Oh le salaud, il est dans le couloir de passage. Ok. Bon, moi maintenant j'ai la preuve, il capte pas la lumière. Hein. Mais il me voit. Mais il me voit, c'est pas facile aussi. Y'a que lui qui m'a vu? Pitié, dis-moi qu'il y a que lui. On peut se cacher dans les fougères. Oh, j'avais prévu. Ok. Prochaine étape, les fougères. Hein. Merci beaucoup. C'est critique, je répète, c'est critique. Allez, la maison. Est-ce que c'est safe ici? C'est pas si sûr, hein. Il y a un gros coffre.
Il y a un gros coffre qui m'intéresse. Salopard, il garde un coffre. Ah, attends, là. Lui, là. Je sais pas si on peut l'éliminer, hein. Allez, ça dégage. Phew ! Bordel de merde. Je fais vite, hein. J'essaie de faire vite. En plus, il y a l'immunité là qui me met une pression. Ah. Let's go. Allez. Très heureux. Bam, bam et bam. Coup de pression des doigts français. Mamma mia, pousse-toi. Allez, ça continue par ici. Youh. Toujours pas safe, hein. Toujours pas safe. Ah, j'ai récupéré du temps là, non? Comment j'ai fait? Allez, dépêche-toi. Oh, lui. Lui, il a canné il y a pas si longtemps. Oh oui. Il y en a, ils ont genre canné hier. Allez, fais le grand tour, dépêche. Bordel, il est long leur truc là. Oh, maison. Hacon, maison. Ah oui. Regarde autour de toi. Ah oui. Le tunnel technique vers la station principale okay. Devrait être bien éclairé. J'ai déjà attiré les gardes à l'étage. Je vais discuter avec eux pendant que tu rentres. Ok. Oh la vache. Ah, c'était un peu chiant quand même. Ok, bâton à clous, médicaments, on est là. Bon. Allons-y. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh, je la sens pas, c'est quoi ça? Oh, c'est une nouveauté. Oh, c'est une nouveauté dégueulasse. Ah ouais, bien dégueulasse en plus. Oh bordel. Oh bordel. Pardon, je panique, hein. C'est à moi? Ok, c'est à moi. Oh là. On commence par la nouveauté dégueulasse. Un crasher du coup. C'est bon, facile. Par contre, il a tiré un mec, hein. On est là. C'est bon. Finito. Quoi? Comment ça, pas finito? Connard. Ré. C'est bon. Ok. Pardon, reprise, hein. Juste, Hacon, il doit être avec les mecs au-dessus. J'aime pas perdre le contrôle des choses. Toujours avoir son ennemi en face des yeux. C'est quand même plus pratique. Je pense que, en fait, dans le jeu, tu as une station électrique. Ça, on en a parlé. On l'a localisé avec les jumelles. Je pense que si on l'avait réactivé, j'aurais eu accès à ces armoires. Et ces armoires, je sais pas à quoi elles servent. Mais quelque chose me dit que c'est genre pour attirer l'attention ou un truc de genre. Ok. Bonsoir. Alors. Je pense qu'on va faire le jeu de la même manière qu'assez. C'est genre, en début d'épisode, je ferai un peu de scénar et tout. Et ensuite, on partira se perdre un petit peu dans le secondaire. Histoire d'en faire... Pas mal. Montre au moins quelques photos de ton avant-goût. J'ai dit... Ah, et puis merde. Janvier. Trois paquets. Dernière offre. Business, hein. Business. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe par là? Ok. Le cancer est présent. Putain, mais ouais, il y a des panneaux électriques partout, les gars. Allez, Batman. Let's go. On est là, les gros biscottos. Ah. Non. Ma barre commence à redescendre. Oh là. Hacon. Ah non, c'est bon. L'intérieur. 5 paquets. Vous réfléchissez et je reviendrai. Ok. Sauf que là, il y a des humains du coup. Ouvre le sas. J'y serai dans une seconde. Ouais.
Objectif mis à jour, ouvrez le sas. Alors attends, deux secondes. Ce qui a l'air de rien, cette merde là, c'est pratique. Ouvrez le sas, ouvrez le sas. Là-bas. Ok. C'est bon, y a pas de méchant. Y'a pas de méchant. Ça fait très très métro, hein. Ça fait grave métro. Je pense que c'est pour ça que je préfère la DA du 2 pour le coup. Hey, pour le moment, hein. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah ah. Oh, oh. Bon bah super. C'est la merde. D'où est-ce qu'il sort? Il se baladait dans les tunnels. De la putain de racaille du bazar. Ou plutôt un espion renégat. Ouais. Il a pas la tête d'un renégat. Il est réveillé. Qu'est-ce que tu fais dans notre base? J'essaie juste de me rendre au centre de la ville. Le centre? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale vermine. Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu, et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer? On pourrait commencer par te couper les mains? Pour te rafraîchir la mémoire, hein? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours? Je suis un pèlerin. Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu l'obtiendras pas par la force. Mais, commandant Lucas disait toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. D'où est-ce que tu viens? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 km d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Comment ça se passe dehors en ce moment? Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Quand tu vois le focus arriver, c'est que clairement, il va y avoir du choix. Voilà, attendez. Parce que là, du coup, c'est le moment où il va falloir choisir, je pense, d'être ami ou ennemi avec les pacificateurs. Et vu la tête des mecs, en fait, ils se démerdent, tu vois. Ils survivent comme ils peuvent. Metro-like, toi-même, tu sais. Mais je pense pas que ce soit des mauvais bougres, pour le coup. En tout cas, lui, il a pas l'air d'être un... gros con. Alors, attends, ça remonte à quand, la dernière fois où t'es sorti de la ville? Et pourquoi tu penses que j'ai tué quelqu'un? C'est dangereux. Non, mais vas-y, vas-y, on va coopiner. C'était quand la dernière fois que t'étais hors de la ville? Environ 15 ans. Alors, il y a beaucoup moins de survivants. Et beaucoup plus d'infectés. C'est logique. La plupart des gens supportent de vivre dans cet enfer parce que ce qu'il y a dehors doit être bien pire. Avec ma femme, on vivait en Angleterre. J'avais 2 sœurs et 2 frères. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis 10 ans. Où est-ce qu'ils vivaient? À Londres et dans sa banlieue. D'après ce qu'on m'a dit, Londres n'existe plus. Il reste peut-être 4 camps sur les îles. Putain de merde. Pourquoi j'aurais tué votre commandant? T'as cherché à t'enfuir vers la boucle centrale 4 jours après le meurtre. Et puis, si j'étais Karl, j'embaucherais un étranger pour tuer Lucas. La manière... Ah, jusque-là, jusque-là, ouais, on est d'accord. Je hein. sais pas, c'est logique. Karl. Tu le verras bien assez tôt. Karl, c'est pas le genre à quitter la route des yeux. C'est un connard soi-disant moralisateur qui retourne le bazar contre nous. Alors même qu'on les protège. C'est comment en dehors des murs? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri? Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Vildor. Tu cherches quelqu'un? Je peux peut-être t'aider. Mais pas gratuitement. Ah, j'ai l'habitude. Ça y est. Dis toujours. On y est. Pas de bêtises.
L'échange de bons procédés. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Ville d'Or ne se calment pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut ? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazar. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si on le trouve, on trouve le tueur, quoi. Si t'entends un truc sur le Lazar, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Ok. Moi, j'aime bien. Alors, je pense que t'as plusieurs manières d'opérer, mais en vrai... Non, en vrai, on va la jouer cool. Je l'aime bien. En tout cas, lui, hein, son supérieur, je sais pas encore, mais pourquoi devrais-je te faire confiance ? Parce que et t'as pas trop le choix, peut-être. Pourquoi je devrais bosser avec toi ? Vous m'avez attaqué et accusé de meurtre sans la moindre preuve. On s'est planté. C'est clair que t'es pas l'assassin. Pourquoi en attendant, il était en train d'actionner le système gardé par les pacificateurs dans leur dos. Moi, je comprends qu'il les ait agressés. Ils refusent de nous parler. Ils nous voient comme des occupants. Le fait qu'on nettoie les rues désinfectées et qu'on attrape les criminels, ils s'en cognent. Ce qu'ils voient, c'est qu'on boit leur eau et qu'on mange leurs réserves. Mais toi, t'es un pèlerin. Tu peux faire pas mal de choses pour eux. Et en plus, t'es de l'extérieur. Ils te feront confiance. Mmh. Ils ont essayé de me tuer. Ouais, j'allais le dire. Écoute, on est ta dernière chance. Si tu comptes toujours rejoindre le centre, bien sûr. Alors, tu vas m'aider ? Ah, il faudra bien, hein. Non, mais vas-y, go. De toute façon, il se passe quoi si tu dis j'ai des trucs à faire ? Genre tu remets la quête à plus tard, tu finis toujours en otage ? Comment ça se passe ? Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre ? C'est pas aussi simple. Ville d'Or a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection. Et puis, les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas le tueur. Mais si tu trouves le Lazar, je m'en souviendrai. Mmh. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. Mmh. On dirait que j'ai pas trop le choix. Je vais essayer. Fouille un peu. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains vides. Bonne chance. Ok, ok, ok. Bon, bah à ce niveau, on aurait presque pu passer par la porte d'entrée, hein. C'est bon ? Tous mes crimes sont pardonnés, zone sécurisée déverrouillée. Oh ! Oh ! Let's go ! Bonus de nuit ! Incroyable ! Ah, attends, deux secondes, y'a quoi de ce côté ? Les sanitaires. Bien ! Bien bonbon, bien bien. Donc la sortie doit être par là. T'es là ? Hé, mon pote ! C'est bien que tu sois vivant. C'est bien que tu sois vivant, lol ! J'ai été chopé et interrogé. Ils t'ont pas tué. Retrouve-moi dehors. Ok, ok, ok. Non, je les aime bien, les pacificateurs. Hein. C'est la nouvelle police. C'est la loi, l'ordre. L'équipe de Judge Dredd. Il en faut bien, hein, parce que sinon, c'est la dé rapidement. Hein. Attends, je veux juste savoir. Sur quoi on peut tomber dans le coin ? Parce que c'est grand, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et apparemment, vu que c'est une zone sécurisée, j'ai probablement un pieu. Mais le mec, il nettoie de la merde. Mais d'accord. Tu me diras, faut bien s'occuper. Ok, bon, en contrebas, on verra plus tard. Ok, 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 ok. Ouais, si j'ai un choix à faire à un moment, je pense que pour l'instant, on va défendre les pacificateurs. Je les aime bien. C'est Ouais, je sais pas, le bazar, je suis déjà moins fan, en fait. Parce qu'ils vivent déjà plus comme des gueux, tu vois. Genre plus naturellement. Mais en même temps, quelque part, dans ce genre de monde, il y a besoin de mettre de l'ordre. Ou sinon, il y aurait une rébellion. Aide-nous sur cette affaire. Et on t'aidera avec les bandits. Je te l'ai déjà dit. Le bazar a rien à voir avec la mort de Lucas. Ok, bon, ça nous regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin ? Salut. Bonjour, enchanté. Ok, ok, ok. On va faire une mise au point avec Akon. Et si ça dérange personne, après, moi j'irais bien faire soit le château d'eau, soit la station électrique. En fonction de où on se trouve. Ok, bon, et pour le reste, ça se construit exactement comme le bazar. Sauf que, pour ce qui est des quêtes,
J'ai pas trop capté comment ça fonctionne en fait. Parce qu'on n'a pas forcément en ville. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, monsieur Hakon. Monsieur Hakon, monsieur Hakon, monsieur Hakon. Ça s'est bien passé, on va dire. Au moins, on sait par où commencer. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait ? Bah, il voulait la vérité. Eitor m'a demandé de l'aider. Eitor a dit qu'il me laisserait accéder au centre, si je l'aide. Quoi ? Et t'es censé faire quoi pour lui ? Trouver le Lazare ! L'arme de Lucas, le Lazare. Elle a disparu de la scène de crime. Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Forcément. Le Lazare, hein ? Un joli point américain, non ? Je connais un gars qui échange des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un receleur ? Un receleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénieux aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ça serait lui. C'est quoi son nom ? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi la Poisse. Il s'installe tous les jours près du moulin à vent. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe au pacificateur. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, on reste en contact. Bon. Non, bah oui, ça s'est bien passé. Alors, objectif mis à jour. Trouver le voleur du point américain, trouver Hubert Kerbatsos. Dit Hubert la Poisse. Ubi la Poisse. Y'a pas de zombard dans le coin. Eh non. Non mais les pacificateurs gèrent bien leur truc, hein. Ils ont bien, bien nettoyé. Alors, attendez, petit point sur la situation. On est à Carry End. On a déjà pas mal exploré, hein. L'air de rien. Alors, moi, je veux savoir un petit peu comment ça se passe. Emplacement pour découvrir ce qui s'y trouve. Ok, donc là, c'est la base des pacificateurs. Là, c'est une planque, qui est même pas là où je voulais, d'ailleurs. Ah, si, c'est en contrebas. Ok. 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 Alors, ça, c'est la station électrique. Ah oui, la station électrique, c'est 4. Je sais pas. Non, en vrai, on n'a pas le niveau pour ça. Je suis pas chaud chaud. Le moulin à vent Mélèze. Un moulin à vent que je n'ai pas forcément récupéré. On va gagner de la hauteur, on va faire un petit tour avec les jumelles. Structure de faction, zone sécurisée. C'était où l'eau déjà ? C'était où l'eau ? Parce que moi je récupérerais bien l'eau. Mais si c'est à l'autre bout du monde. Et c'est bien parti pour que ça soit à l'autre bout du monde. Merde. J'arrive pas à faire un point sur tout ce qu'il y a sur la map. C'est un peu compliqué de savoir où aller. Il me semblait que c'était pas... Ah non, attends. C'est ça. Le château d'eau de Horshaw. Ok, je suis pas si loin. Hein. Oui, je suis même carrément à côté. Alors, attendez. On va gagner de la hauteur et on va se faire un petit coup de jumelle. Voyons, voyons voir. Yop là. Oh ouais. J'ai du mal avec la physique d'escalade. Hein. Ça fonctionne. Mais c'est compliqué. Ah, et encore. Ah, bordel, l'endurance, c'est pas mal maintenant. Ok, on est bon. Donc, c'est par là-bas. Continue de monter. Continue de monter. Allez, c'est bon. Alors, voyons voir. Les jumelles. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est El Famoso Château d'eau. Ça, c'est quoi ? Centre de génomique pour le THV. Activité nocturne. Les mecs, il n'y a que des activités nocturnes. Récupérer des inhibiteurs et améliorer vos statistiques. Oh la vache. Ça, c'est des donjons. Hein. Va falloir les faire. Hein. Attends, qu'est-ce que je focus ? Ok, station électrique, ça on sait. Ok, une grande tour. Tour de télé, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? La piscine de Quarry End. D'accord, super. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Moulin à vent chêne. Donc les moulins à vent qui permettent vraiment d'ouvrir les zones. Hein. Et je pense surtout qu'en termes de hauteur, c'est la folie parce que... Putain, les gars, t'es tellement avantagé là-dessus. Ça, c'est quoi ? Anomalie du GRE encore. Terrible, terrible, il y en a tellement. Donc le terminal principal... Le quoi ? Ah oui, le terminal principal. Pour accéder aux autres stations de métro...
Ouais, je disais, du coup, j'aime bien ce petit côté, justement, métro installé. Parce que c'était quand même une essence qui est chère à mon cœur. Et pour le coup, le jeu manipule ça assez bien. Faudra qu'on regarde un petit peu, hein, c'est quoi ces trucs-là. Des territoires des survivants. Parce qu'il y a des choses à faire, des choses à voir. Attends, il y a des focus à faire, là. Il est où, le focus? Ah! Cavité sombre. En fait, je pense que tant que t'as cette espèce de logo au centre, cette espèce de pointer, t'as toujours des choses à découvrir. Attends. Il m'indique un truc. J'arrive pas à trouver. En fait, ça doit être juste derrière. Ah, puis tu peux pas te déplacer en ayant les jumelles, ça c'est chiant. Ok, ok, ok. Allez, fais le focus. Le focus. Ah, je l'avais pas ce moulin. Le moulin érable. Ah, attends. De l'autre côté du toit. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Tant qu'il y a le pointeur, à mon avis, il y a des choses qui existent. Putain, c'est où? Ah putain, il y a encore un autre moulin! Mais mec, mais on voit tellement de choses. C'est terrible. Bon, et par là-bas, il y a encore un milliard de choses à faire. Ok, bon, direction le moulin à eau. Pour faire revenir un petit peu ça au bazar et sûrement avoir quelques avantages à venir. Il n'y a pas beaucoup de trucs d'atterrissage. Hein. Ok. Bonjour. C'est vachement calme ici. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Les cavités sombres, magasin à l'abandon. Alors, sont des lieux du monde ouvert qui renferment des objets de valeur. La journée, ils sont en veille d'infecter. C'est pourquoi il est préférable de s'y rendre la nuit. D'accord, ok. Mais parce qu'à un moment, on avait eu une quête avec ça. Et en gros, personne m'avait jamais expliqué pourquoi il fallait y aller la nuit. Le jeu est vraiment orienté pour que tu joues la nuit, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Parce que ça te met une angoisse, cette histoire. Ouais, en même temps, t'as le multiplicateur de nuit, je crois. Comme dans 1. Oh là. Ah putain, oui, d'accord. Ils ont littéralement peur du jour maintenant. C'est des zombies vampires, les bails. D'accord, super, très utile. Le château d'eau. Bon, alors c'est quoi cette histoire là? Ah, attends. Atterrissage des familles. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. De retour sur Dying Light 2. Stay human. Et on est au château d'eau. Ok, forcément, la porte d'entrée. C'est pas aussi simple. Ok. Je triche un peu. Hein. Par là, on peut aller faire un tour au-dessus. Comment on pénètre là-dedans? Comment on pénètre? Je pense qu'il faut atteindre l'étage. Hein. Ok, bon, simple. Simple. Tu prends la porte d'entrée et t'escades au-dessus. Par contre, j'avais pas vu ma vie là. Attends les gars, parce que... Vas-y Michel. Je vais canner. Attends, pause. Parce que le jeu me dit jamais que je suis en PLS, donc forcément je ziote pas trop moi. Mais là j'ai plus de vie. Allez Michel. Voilà, mets-toi juste un petit peu en hauteur. Yeah, que je puisse être tranquille. Ah voilà, et d'ici on peut faire un truc. Ok, alors attends. Ce qui manque c'est genre le craft rapide en fait. Fabrication. Alors, des médocs. Fabriquer 11. Let's go. Bam. Allez hop. Des petits médocs qui vont bien. Vivement qu'on upgrade cette merde. Let's go. Voyons voir. Ok, bon, c'est un parcours. Très très Far Cry. Hein. Dans le premier jeu, il y avait déjà ça, mais. Il y avait moins en fait cet aspect de devoir faire absolument des tours pour déverrouiller des zones quoi. Alors là tu vas me dire c'est pas exactement l'idée de déverrouiller une zone, c'est plus un atout pour la suite. Super. Mais vu que je sais pas trop ce que ça va m'apporter. Ok. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que ça ne demande qu'à péter cette histoire? Ah. D'accord. Je capte pas trop là, je sais pas où je vais. Hein. Ok.
Allez, petit raccourci. Merci. Où allons-nous? Bordel, ils sont chiants avec leurs portes qui servent à rien. Alors, attends, on va faire le tour. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Wow, 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 on se calme. Pas ici. Ah. Ah non, mec, je suis vraiment de l'autre côté de l'échafaud, là. Ouais. Hein? Attends, comment tu veux, je... Attends. Avec du recul. Ok, donc faut trouver le moyen de monter là-haut. Tac, 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 tac. Mais je comprends rien. Pourquoi c'est géré comme un point d'observation, bail? Activité indisponible. Avancer dans l'histoire pour déverrouiller. Quoi? Attends, quoi? C'est une mission d'histoire, ça? Ah, c'est pour ça qu'il y a un cadenas! Activité verrouillée! Mais j'avais pas fait gaffe! Oh, c'est terrible! D'accord! Mais j'avais pas fait gaffe, c'était écrit en tout petit! Bon, bah, je reviendrai plus tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on a déverrouillé les raccourcis. Mais je me disais aussi que, genre, c'était plutôt bah, marqué, tu vois? En mode, c'est important. Ok, 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 ok. Bon, bah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, pour le moment, ça sert à rien. Par contre, ça va sûrement servir un peu plus tard. On va quand même se perdre un petit peu plus dans le secondaire. De toute façon, j'ai pas le temps de faire grand-chose, donc on va aller se faire un ou deux moulins. Les moulins qui, pour le moment, du coup... Ah, merde, ça, c'était pas un lieu pour... Merde, pour atterrir. Ah! Tout se bang. Ouais, les moulins, je sais pas trop les apports réels. Ça crée des bases. Ça, j'ai capté. Ça, j'ai capté. Y a pas de problème. Mais est-ce que ces bases sont genre... des atouts en plus pour avoir des missions ou je sais pas. Parce que le premier, j'ai pas compris ce qu'il m'a apporté à part une petite base de... Je sais pas. Hop là, de plus pour commercer. Bon, écoute, de toute façon, on y est. Donc, allons voir ça. Alors, comment ça fonctionne ici? Putain de bordel de merde. On va afficher les infos sur l'activité, fais voir. Activer le moulin avant. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Jusque là, je pense qu'on l'avait tous capté. Donc les mecs, ils sont nus, ils ont installé des ascenseurs. Et plutôt que d'installer une espèce de base de reconnaissance, ils se sont dit non, mais c'est bon, on va juste laisser ça là. Pour un futur pèlerin qui passera. Ok. Donc on rappelle le bail, on souffle un peu dessus. Et ça fonctionne. Hein? Pourquoi on a fait contact avec une barre de fer? Attends, quoi? Quoi? Pourquoi on a jeté le plomb pour y mettre... Une barre en fer? Quoi? Quoi? Mais c'est quoi cette logique débile? Le moulin érable. Mais ça a rien construit. Pour débloquer les structures de faction, assigner un site dans la zone. Ok. Attends, attends. Déjà, atterrissage en douceur. Voilà. Donc, Plank Dayden. Mais alors quoi? D'accord. Et comment je donne ça à une faction? Je fais comment? Donc c'est de la prise de territoire en fait. Oh là là, oh là là, oh là là. Comment ça fonctionne quoi? Je ne comprends pas. Zone sécurisée établie. Ok. Et comment je donne à quelqu'un? Comment je dis ça c'est à toi et pas à un autre? On n'est pas assez avancé dans le jeu. Hein. Ah c'est terrible. Ah c'est terrible. On en est à 49 minutes messieurs dames. C'est toujours la découvrance. Mais forcément c'est un peu compliqué. Vous savez quoi? On va aller se faire un inhibiteur. Parce que... Attends quoi? Il est marqué forte densité d'infecté pendant la journée. Oh les salauds. Ça me force à jouer de nuit. Ah c'est terrible. Bon bah vas-y. On va attendre la nuit. Des inhibiteurs, il nous en faut. Il nous en faut, ça va augmenter l'endurance. Ça va augmenter notre capacité de survie. Ça va tout augmenter. Donc on en a besoin d'une manière ou d'une autre. Toujours vivant, ouais toujours vivant. Toujours vivant mais ça y est, j'ai réussi à faire une roulette. Compliqué hein. Ouais, compliqué parce que en fait j'ai débrouillé un moulin qui en fait est un lieu de faction.
Donc les factions, j'ai pas encore trop capiche comment ça fonctionne. Donc pour le moment, c'est gnotte. Mais en dehors de ça, comment je rentre là-dedans, moi? Comment je rentre là-dedans? Comment je rentre là-dedans? Là, je me suis juste retrouvé en plein milieu des hurleurs. Sympathique comme strat. Donc ouais, les moulins, c'est du lieu défini de faction, sauf que pour le moment, je sais pas encore trop comment ça fonctionne, j'ai pas assez avancé dans le scénarium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce château d'eau, là, que je ne peux pas terminer, parce que... Ta gueule, ta gueule. Poursuite commencée. Nique toi. Nique toi. Nique... Ah merde, on en avait un autre. Ah merde, on en avait un autre. C'est où l'entrée? Je suis joie. Je suis joie. Je suis joie. J'ai un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. YouTube, c'est terrible. YouTube, c'est terrible, m'en veux pas. C'est la découvrance, et la découvrance qui fait mal. Ok, mais comment je vais là-dedans? Ah, par là-haut, peut-être. Attends. Parce que moi, je veux des inhibiteurs. Est-ce que je suis invisible? Ok, je crois que ça marche. Ok, il m'a capté, il m'a capté. Bon, c'est ma faute, ils étaient deux. Alors, attends. Tac, 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 tac. Bordel, je comprends rien. Comment ça capte les inhibiteurs, là? Attends, 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 attends. J'essaie de trouver l'entrée. Hein. Nya! Ok, let's go. Non! Sérieux? Je... Hein? Quoi? Mais... Oh, je comprends pas. Pourquoi je suis tombé en bas? Terrible! Kazma va canner. Je répète, Kazma va canner. Kazma est à pas grand chose d'y laisser sa vie. Et le temps de soins est éternel. C'est terrible. Bon alors, attends. Poursuite de niveau 2 sur 4. Grande joie. Let's go. Ok, ça je le maîtrise un peu. Allez, 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 allez. On a le temps. Yop, yop, et yop. Pouh, justice. Ok. C'est où l'entrée? Comment je vais là-dedans? Comment je... Je ne comprends rien. Comment je vais dans ces trucs? Purée, le premier, il était tout indiqué. Mais on m'avait dit d'utiliser une clé du GRE. Ça, j'ai compris. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Faudrait-il encore trouver la porte? Bon. YouTube, re... j'ai dû aller chercher un petit peu de jour parce que je t'avoue que là j'avais beaucoup de mal à comprendre où aller. Parce que je cherchais la porte du coup d'accès avec la clé du GRE là. Le délire c'est que je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Or j'étais déjà allé en bas pour checker un petit peu tout autour, j'ai rien trouvé. Tout en haut j'avais été aussi voir sauf que j'étais poursuivi, j'ai pas trop eu l'occasion de checker comme il faut. Mais du coup en recheckant un petit peu mais en plein jour pour être tranquille, j'ai trouvé l'entrée. Donc l'entrée était bien et bien en haut comme je le pensais parce que t'as toute une structure pour y aller. Mais en fait ce qui était perturbant, c'est que je voyais un petit peu partout ces lumières vertes là, qui avaient l'air de dire qu'il y avait peut-être un truc à récupérer avant, une espèce de prérequis, je sais pas, peut-être une espèce de mise à jour de clé d'accès. Mais en fait pas du tout. Donc maintenant que je sais où est la porte, on est de retour de nuit et cette fois on va faire les choses correctement. En plus cette fois je suis pas poursuivi donc ça c'est cool. Ça te met une belle angoisse quand même de devoir faire tout ça de nuit. Hein. Parce que du coup, on y va de nuit pour qu'il y ait moins de petits mondes à l'intérieur. Mais quand même, hein. Quand même. Puis en plus, j'ai l'endurance tellement limitée. Faut augmenter endurance. Voilà. Alors, c'est con, hein. Tout à l'heure, j'étais poursuivi, j'ai pris exactement le même chemin. Et genre, j'ai dû passer à droite. J'ai cherché tout autour, j'ai jamais rien trouvé. Alors que du coup, l'entrée était là. Donc je rappelle que... Si j'ai bien capté, hein. Il nous faut 3 inhibiteurs pour augmenter notre endurance. Donc là, c'est le tout premier que je vais aller chercher de moi-même en dehors du scénarium. Donc je sais pas ce que ça vaut. Hein. La première fois, c'était une espèce de cache-cache. Peut-être que là, ça sera très différent. Ok, alors attends, c'était marqué quoi? Trouver les inhibiteurs dans la zone. Il y en a 4? Ah, mais alors attends, parce que si on trouve plusieurs inhibiteurs, c'est grave cool. Si on trouve plusieurs inhibiteurs... C'est grave cool.
Ouais, le jeu est un peu complexe, hein. Le jeu est un peu complexe parce qu'en fait, t'as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais on t'explique pas trop comment ça fonctionne, en fait. Donc la première fois, c'est un peu la D. Et après, après ça va. D'accord. Je suis pas fan de trouver une zone de quarantaine, là, et d'ouvrir l'accès. C'est pas un bon plan, ça. Attends, ça c'est quoi? C'est pour fuir? C'est pour fuir. Ok. Bon. Eh ben allons-y, hein. Il y a des zones pour se planquer. On est toujours timé. Bon, ça le sera jusqu'au bout, hein. J'espère vraiment qu'à un moment on va pouvoir tenir plus longtemps. Parce que ça, jusqu'à la fin du jeu, ça va être compliqué, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des éponges, non, de l'alcool. Ah, la sporphine. Ah, pardon. Excusez-moi, belle demoiselle. Ré. Alors par contre, les trucs qu'on peut exploser là pour gagner du temps, moi je veux bien, hein. Mais ça risque d'être compliqué, cette histoire. En fait, tout ce que vous voulez tant qu'il n'y a pas de rapace. Tout ce que vous voulez. Oh putain, il est là. Oh putain, il est là. Déjà? Ah mais non, il en faut 4. Verrouillé de l'intérieur. Oh, tu te fous de ma gueule. Oh, tu te fous de ma gueule. Donc, attends. D'accord. Oh là là. Oh là là, zone chimique, c'est quoi ça? Attends. Ok, je suis dans une zone radioactive. J'aime pas ça. Par contre, Kata trouvé, c'est cool. C'est-à-dire que l'endurance va vraiment monter. Alors, oui, mais... Donnez-le-moi quand même. Hein. Super. Le timer me met un vieux coup de pression, hein. En vrai, ça va, hein. En vrai, ça va, j'ai 47 secondes. On peut gérer, hein. Grand infirmier, chemise d'infirmier, kit de soins militaires. Mais c'est pas ça que je voulais. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Ah! Terrible. Terrible, terrible. Ok. Par contre, mon immunité, elle est remontée. Comment ça se fait? McCain, c'est pas, hein. C'est la découvrance. C'est la découvrance. Ok. Par contre, j'aime bien la formule, hein. Si ça vous va qu'on fasse un petit peu de scénar en début de VOD et que par la suite on fasse un peu d'annexe, histoire d'avancer sur les deux fronts, moi ça me va totalement. Et la porte est bleue de ce côté, donc elle s'ouvre, je suppose. Et moi ça s'ouvre. Yes, crochetage facile. Let's go. En fait, je pense que les inhibiteurs seront toujours faciles d'accès. Enfin, facile. Non, pas facile d'accès. Mais genre, voilà, derrière des portes qui sont généralement faciles à crocheter. Ok, alors attendez. Déjà, veste de Rolly. Ok. Ok. On a un inhibiteur. Là, petit raccourci des familles qui fait le plaisir. Ok. Rapport numéro 1 du docteur Katsumi. Alors, je vois du violet. Je vois du violet. Booster d'immunité. Alors attends, parce que là il va falloir qu'on commence à travailler avec les boosters, hein. Booster d'immunité, développe. Régénère une grande partie de votre immunité. Ah. Alors attends, c'est dans quoi? C'est ça. Oh. Oh le plaisir. Oh le plaisir. Ok, il va falloir en craft de cette merde, hein. Bonsoir. Ça m'a l'air quand même vachement grand, hein. Ok, toujours plus profond, forcément. Bon, après tu me diras, on est arrivé par le toit, hein, donc à partir de là... on est bon. Bordel de merde. Ok. Bien. Ok. Au moins j'ai ouvert les deux, comme ça. Putain, descends. Descends, mais... Bordel, descends! Voilà. Merci. Allez. Allez. J'ouvre les accès, hein, comme ça au moins. Je me pose la question, parce que pour le moment, c'est des donjons qui sont assez linéaires, mais... Hein? D'accord, c'est déjà ouvert. Ouais, c'est des donjons qui sont assez linéaires, mais j'espère que la sortie elle est tout au bout et que je vais pas devoir tout me retaper à l'envers. Parce que sinon ça va être la merde.
Donc là, en gros, il y a un truc à chaque étage. Ok. Ok, 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 ok. Chut. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh merde. J'avais pas vu, il y a un couillon. J'avais pas vu, il y a un couillon. Il va me voir. Il va me voir, c'est la D. Bon bah, c'est la bagarre. Bon bah, c'est la bagarre. Ok, ok. Aïe, 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 aïe. Putain, c'était là. Ah putain, un crochetage. Ah la vache. Ah merde, c'est empoisonné. Ah, il y a du monde. Ok, panique. Panique, panique, panique. Ça pouvait pas être aussi simple, forcément. Ce. Ok, disposition. Ok, est-ce que ça a marché? Ça a marché. Super. Par contre, va falloir aller vite, hein. Putain, bordel de merde. Ils sont où? C'est bon, ils ont reset la zone. Ah bah d'accord. Ah, ils ont fait genre, ils m'ont jamais vu, eh. Ah, les salauds. Par contre, les gars, moi, j'ai pas des ressources illimitées, hein. Au bout d'un moment, Oh putain, c'est compliqué. Asporfine. Portel. Faut que j'arrive à passer. Je crois qu'il y a lui qui est fixe. Et lui là. Ouais, lui il se promène. Lui il se promène. Donc lui, élimination directe. Ah non, il bouge. Le salaud. Mais pile où j'ai besoin de m'en débarrasser, il bouge le con. Mais fais pas ça. On va pas s'entendre. Ok. Allez, on se dépêche. Galanta. Galanta. Verrouillé de l'intérieur. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Je panique, hein. Je panique, c'est la vraie panique. Aïe, aïe. Ok. Sauvé. Alors. Booster. Baggy. On est là. Ah putain, il m'ordonne, eh. Trop bien. Vas-y, go. Allez, hop. Petit bonbon. Ah mais attends, parce qu'il y en a un autre, là. Ou alors c'est juste un bonus, et dans ce cas-là... Dans ce cas-là, ça le fait. Allez, on bouge. On bouge, on bouge. Par là. Putain, c'est grand. Putain, c'est grand. Ça continue? Oh, ça continue. Oh, les cons. Oh, les cons. Vas-y, flemme. Et tu sais quoi pour le contenu, flemme? Est-ce qu'au bout d'un moment... Oh. Je peux pas tout faire, moi. C'est bon. Tchou. Encore une fois, les casemins, si vous voulez jouer au jeu, privilégiez la coop. Let's go. Allez. C'est bon. Putain, 4 étages comme ça. Oh, y'a un hurleur. Non, c'est une blague. Y'a un hurleur. Les salopards. Ok. 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 On a bien géré notre coup. Super. Salut Nick. C'est quoi ça? Raboul. L'aile cool. Tip top. Le concert. Alors oui. Comment je vais... Comment je vais... Vers la porte. Faut passer par en bas. Il est où le hurleur? Je le vois plus. Wesh, il est où le hurleur? Il est où le hurleur? Ok. Terrible. Donc ça c'est la sortie. Alors attends. Attends. Dans l'ordre. Ah mais j'avais vu une porte en bas de l'immeuble tout à l'heure. Et je me disais que c'était l'entrée mais j'arrivais pas à y accéder.
S'il faut, les gars, c'est bien la sortie, j'aurais pas à tout me retaper. Ok. Par contre, j'en suis à 3 là. J'en suis à 3. Ce qui me rassure pas des masses. Ok, compétences améliorées. Activité terminée. Mais tu m'as dit qu'il y en avait 4 à trouver. Quoi? C'est bon, j'ai fini? Alors, c'est le feu. Ah, attends. Tac, 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 tac. Effectue une ultime escalade. Appuyez sur AB enfoncé pour vous accrocher à un rebord. Mais je pouvais déjà le faire avant, il me semble. Hein. En tout cas, j'ai déjà l'impression de l'avoir fait. Hein. Plus de vie ou plus d'endurance? La vie, en vrai, pour le moment, c'est pas ce qui manque. Hein. Allez, bam, plus 3. J'ai pas capté. On m'avait pas demandé de récupérer 4 trucs. Et j'en ai pas récupéré 3, là. Bon, alors, tant mieux si on me lâche, hein, mais... Damn. Bon, bah, nice. C'est une victoire. Ok. Et là, on est en bas. Oh, les gars, oui. Oh, les gars, oui. Alors, toi. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, super. Super, super, super. Donc, les hurleurs, même si tu les tues, ça déclenche une poursuite. Super. Même avant qu'il hurle, hein. Terrible. Bon, YouTube, ça a été fastidieux. Cet épisode aura été un petit peu plus long pour moi, pas forcément plus long pour toi. Mais dans tous les cas, ça nous aura permis de voir un petit peu comment fonctionne... Monte, bordel de merde, monte. Ouais, ça nous aura permis de voir comment fonctionne un vrai donjon... Ah ! Pour les inhibiteurs, sans passer par le scénarium. C'est sympa, j'aime bien. Il va falloir en refaire, de toute façon. Mais je pense qu'on fera ça en fin de session à chaque fois. Ou alors, peut-être que je ferai des épisodes dédiés. Bref, on verra bien. On est à la base. C'est bon. Voilà. Je sais toujours pas comment foutre une faction là-dedans. Peut-être qu'on verra ça plus tard. Dans l'épisode prochain, on avance un petit peu plus dans le scénarium. Histoire de déverrouiller les bases des bases des bases. Parce que là, on est encore trop dans le prologue. Et c'est compliqué. Je te fais des poutous partout. Et je te dis à très vite pour la suite sur Dying Light 2. Stay human. Allez, des bisous.